En question. President, please be seated. The court is back in session. Reprise de l'audience. And before giving the floor to the defense team, avant de donner la parole aux équipes de défense, chamber would like to make an oral ruling. This morning, the chamber asked the parties if they had any observations in relation to the latest change in schedule. The OCP requested that the testimony of the next witness, 2TCW932, be postponed until tomorrow's hearing to give them the opportunity to prepare. The other parties also observed that they would benefit from having additional time to prepare for the witness and prepare the documents, considering the very short notice with which the change in schedule was notified to the parties. The chamber grants the request and decides that 2TCW932 will be heard starting tomorrow afternoon from 1:30 p.m. I would like to know whether any judges have questions for this witness. If you have, you may proceed now. Judge Lavergne, you may proceed. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. J'aurai quelques questions à vous poser pour essayer de clarifier un certain nombre de réponses que vous avez données. Si j'ai bien compris, ce matin, à un moment, vous avez indiqué que vos parents avaient été évacués. Est-il exact que vos parents habitaient dans la région de Kampong Chenang? Et est-ce qu'ils étaient proches de l'emplacement du site de l'aéroport de Kampong Chenang? My parents were living about 20 kilometers away from the airfield. They were perhaps evacuated in the 1975 or 76. They were transferred to Battambang. They were put in cooperatives. I knew about this from my relatives. Je l'ai appris de membres de ma famille. So for those who had tendency with the former regimes were transferred to Battambang. Ceux qui avaient des tendances avec l'ancien régime étaient transférés à Battambang. Est-ce que les gens qui habitaient à proximité du site de l'aéroport étaient déplacés? Were those people transferred? People living close to the airfield were not transferred elsewhere. They were living about 1 kilometer away from airfield. De cet aéroport. There was no evacuation of these people living close to the airfield. And as for my parents, because they had been affiliated with the former regime, they were transferred to Battambang province. My family, siblings, my parents, were transferred to the northwest zone. Dans la zone nord-ouest. Je voudrais vous poser quelques questions concernant la formation, les sessions de formation auxquelles vous avez participé par rapport aux questions de discipline militaire. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir participé à des formations concernant ce sujet? Training sessions on those topics? Answer, yes, I could recall it.
Réponse oui, je m'en souviens. During the training, the training was held at Tafika village. Elle s'est tenue and au village military disciplines were discussed in the meetings. We were told to listen to the lines of the party and we were prohibited from wandering around. On nous a interdit d'aller and such bon semblait, military disciplines were discussed. Discipline militaire a été We were instructed to listen to the party and we had to comply with the party's principles. Et de respecter les this is what parti. I know voilà and what I recalled from voilà the meetings. Est-ce que vous vous souvenez de la date à laquelle vous avez commencé à participer à ces formations? At which you started participating to such training sessions? Answer, I cannot recall the date. Je ne me souviens pas des dates. I do not know when the trainings happened. Je ne sais pas quand I joined and attended the j'ai suivi, trainings j'ai in Premej village. My squad units instructed me, instructed us about the military disciplines. Vous venez de parler des formations que vous avez reçues à Premej. Je vais vous lire ce que vous avez dit à ce sujet. Mais tout d'abord, est-ce que vous pouvez me dire si ces formations ont été dispensées avant la victoire du 17 avril 1975 ou après? The sessions were held before the 17th April. Se sont tenues avant le 17 avril. It was before the 17th April. C'était avant le 17 avril. Voici ce que vous avez dit, c'est dans votre déclaration, donc le document E3-5273, ERN en français 00-35-58-55, ERN en anglais 00-29-04-99, ERN en Khmer 00-28-29-40-41. J'avais participé auparavant aux sessions d'études politiques du Parti communiste du Kampuchea à Premej, dans la province de Kampongspo, avec le chef de l'unité comme instructeur. Il parlait essentiellement du renforcement de l'esprit, du respect du parti, le plan de commandement et sans aucune contestation. On disait que quiconque qui s'opposait serait écrasé, ce qui voulait dire tué. Avant 1975, au sein de mon unité, on écrasait les gens qui ne respectaient pas la discipline ou qui étaient accusés d'être des espions du KGB ou de la CIA ou encore accusés d'inconduite morale. À l'époque, pour écraser, ils bandaient les yeux des gens, ils les emmenaient pour les exécuter, puis ils les enterraient dans les fosses. Je voudrais tout d'abord vous demander si vous confirmez ces déclarations telles que je viens de les lire. Answer, yes, I could record my statement. It is true, so what I said.
vous souvenez du nom de, du chef de l'unité qui vous donnait ces instructions? Et combien étiez-vous à recevoir ces instructions? Answer. I do not remember it. I do not remember his or her name. Je ne me souviens pas de son and 20, nom. Perhaps 10 or 20 of us attended the Nous sessions. Two groups were in the sessions. I do not recall my squad chief's name. Je ne me souviens pas du nom de mon chef de squad. I do not know his name. Je ne connais pas son nom. I could not recall it. Est-ce que c'était longtemps avant le 17 avril 1975 ou juste long avant before 17 le 17 avril 1975 or just before that date? It was long before that period. C'était bien avant cette période. Perhaps it was in 1974. C'était peut-être en 1974. C'était peu de temps après que vous soyez devenu un militaire dans les forces Khmer Rouge, ou c'était longtemps après? Forces, or long after you joined the forces? After I joined the Khmer Rouge, I attended the sessions. I became a soldier of Khmer Rouge in early 1972. Donc, vous êtes soldat début 1972. You joined vous nous dites the que ces sessions well, you became a soldier ont eu lieu in 1974. Est-ce que cela veut dire qu'il y a eu un changement dans les règles de discipline et qu'on en a été de plus en plus strict? Forces were more and more strict. Answer. Yes, it became stricter and stricter, and the discipline were stricter. La discipline était beaucoup plus stricte. Vous avez dit. Avant 1975, au sein de mon unité, on écrasait les gens qui ne respectaient pas la discipline. C'est quelque chose dont vous avez été le témoin direct. Est-ce que vous avez vu cela de vos yeux? I did not witness the incident, but my colleagues in the same unit or squad witnessed. I was told that those who did not comply with the discipline were smashed. Et quelle était l'ambiance au sein de la troupe? How was morale? Est-ce que vous ressentiez de la peur à ce moment-là? Were you afraid? Que ressentiez-vous quand what, vous appreniez cela? Answer, I was afraid and terrified that I would be smashed. Réponse, j'avais peur, j'étais terrifié. Since I was living in that regime, I was afraid and I had to do what I was asked to do. Je devais donc faire ce que l'on me demandait de faire. Committing simply a moral often would be smashed and killed. And if we did not comply and respect the disciplines of them, we would be conduit à notre écrasement. Il fallait killed respecter and smashed. La discipline. Si l'on ne respectait pas la discipline, on était écrasé, exécuté. Vous avez dit. À l'époque, pour écraser, ils bandaient les yeux des gens, les emmenaient pour les exécuter,
puis les enterrer dans les fosses. Donc c'est quelque chose que l'on vous a dit, ou est-ce que vous avez assisté à des arrestations, par exemple? J'ai été témoin de l'arrestation. But I did not know where these people were smashed and killed. Mais I saw the arrest. I did not question where they were sent to. If I had to do so, if I happened to do so, I would be accused of being related to the former regime. D'être affilié ou d'avoir des liens avec l'ancien régime. Est-ce que vous avez vu des soldats qui avaient été enterrés dans des fosses? Did you see any soldiers buried in pits? I never saw it. Je n'ai jamais vu cela. I heard my colleagues told me that they were buried. Qu'ils avaient été ensevelis. Donc ceci s'est produit dès avant le 17 avril 1975. Après le 17 avril 1975, selon vous, les choses se sont améliorées ou est-ce qu'elles ont été encore plus... Est-ce qu'elles ont empiré? Est-ce que la peur, notamment, a augmenté? The situation was becoming worse, and I was so fearful. Et j'avais tellement peur. And the situation was stricter and stricter, and if I did not comply with their instruction, I would be accused of a traitor. So I had to do whatever they wanted me to do. Donc, toutes les instructions, quelles qu'elles soient, devaient être exécutées sans aucune discussion. Est-ce que c'est bien exact? Whatever they were. Is that the truth? Answer, yes, that is correct. We could not refuse the instructions. Nous ne pouvions pas refuser une instruction. Selon vous, avez-vous eu le souvenir d'avoir reçu des instructions qui étaient des instructions criminelles? That were criminal in nature. Answer, no. Réponse, non. I never received any instruction which were criminal in nature. Je n'ai jamais reçu d'instruction de nature criminelle. Je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu de votre activité à l'aéroport de Pochentong. Est-ce que vous pouvez nous repréciser combien de temps exactement vous êtes resté à l'aéroport de Pochentong? I came to live in Pochentong Airfield. Je suis venu vivre in the early part of 1970. Six, with my squad. I was there to guard the gates, and I was also asked to clear the grass, since I was accused of being affiliated with the former regime. I was assigned and transferred to that Pochentong airfield. 10 of us went to that airfield at the first stage, as I told the court earlier. Avant que vous soyez affecté à l'aéroport de Pochentong, où étiez-vous affecté? Quelles étaient vos fonctions? Vous étiez toujours messager? Et en tant que messager, où étiez-vous?
And as a messenger, where were you located? Before then, I was staying at a flat at the corner of the Pojentong airport. Au coin de I was guarding the warehouse. Je m'occupais and de I knew one individual by the name Main. He had been accused Main. Of being affiliated with the former regime, and afterward I did not know where he went to. De l'ancien régime, je ne sais pas où il a été envoyé. Est-ce que vous assuriez des fonctions de messager ou de garde du corps de Lvey? Were you messenger or bodyguard for Lvey? I used to be a messenger for a period of one year. After which, since I suite, had been accused of being affiliated with the former regime, and since I régime, was, it was said that my father had been a former official in the Lunar regime, I was transferred to the airfield. J'ai été transféré sur le terrain d'aviation. And they stopped my position as the messenger. J'ai alors cessé d'être I messager. Was away from Lvey at that time. J'étais loin de Lvey à cette époque. Quand vous étiez près de Lvey, est-ce que vous l'avez accompagné à des réunions? Did you go to est-ce que vous savez si Lvey a rencontré des dirigeants? Do you know if Lvey met leaders, any leaders? Answer. What I know is that he went to meet the governor of the province, but at that time I was staying outside the meetings venue. I was not in the meeting. I have no idea what was discussed in that meeting. Donc, je n'ai aucune idée de ce dont il a été discuté au sein de cette réunion. Il a rencontré le gouverneur de quelle province? Who exactly did he meet? Which governor of which province did he meet? He had a meeting with Sarun. Il a rencontré Sarun, who was the Kampong Chhnang provincial qui était governor, le gouverneur de la, and he would de la meet province with de Kampong Chhnang. The governor every 1 or 2 months. Il rencontrait le gouverneur I only tous les accompanied mois, him tous les through mois. The office, but I je stayed avec lui outside jusqu'au bureau, mais je and restais I did not à attend l'extérieur. The meeting. Je ne participais pas à la réunion. Est-ce que vous avez accompagné Lvey pour des visites sur le site du chantier de l'aéroport de Kampong Chhnang? When he went out to visit the Kampong Chhnang airport construction site? No, I did not accompany him to the work site. Sur le chantier. Because by that time I was not allowed to work effet, à ce close to him. Je n'avais pas le droit de travailler près de lui. There were other people who accompanied him. D'autres personnes l'ont accompagné. But usually he did not go to visit the Mais work site. Général, he usually remained in chantier. His office. Il restait dans son bureau. And I personally did not know much about the visits by the leadership, as I mainly stayed at the building I worked in. Dans le bâtiment dans lequel je travaillais. Quand vous étiez à l'aéroport de Pochentong, est-ce que vous avez été témoin de visites de dirigeants ou d'arrivées de délégations venues de l'étranger? Et si oui, lesquels? All officials from abroad visit the airport, and if yes, who exactly? Non, je ne l'ai pas vu. Guard at the east parce que je montais la garde à l'est de l'aéroport. Site.
However, once in a while, I would saw a plane. Néanmoins, je voyais arrival, de temps en temps and I did not know who were on the plane as I did not stay near it. Car je n'étais pas assez près de là. Et vous n'en aviez pas entendu parler, il n'y a pas eu de discussion au sujet des délégations avec certains de vos collègues. You never heard any of your colleagues talk about such visits. Do you never heard any of them discussing such visits? No, I did not. No. They did not discuss about any visit by any delegation. Ils n'ont pas parlé d'une éventuelle visite d'une éventuelle délégation. J'ai deux questions concernant les conditions de travail sur l'aéroport de Kampong Chhnang. Vous avez parlé des horaires de travail. Airport construction site. Je voudrais vous poser la question de savoir si vous saviez si certains travailleurs pouvaient travailler la nuit sur le site de l'aéroport. Some workers worked at the airport construction site at night. Yes, indeed. There were effet, many workers who worked at night and they only stopped at 10:30 p.m. And the at night activities was regular. And usually they would resume the night work at 7 p.m. and stopped at 10:30. S'arrêtait à 22h30. Quel type de travaux effectuait-on de nuit et est-ce que le site était éclairé? At night and was the work site lit? Yes. Oui. And at that time, machineries were also used, for example, the SOR compression rollers, par exemple, pour aplanir and le terrain. Other machineries. On utilisait d'autres engins également. And workers were instructed to carefully screen any remaining roots. Les ouvriers devaient veiller à ce qu'il ne reste plus and aucune I racine dans le sol. Us carrying tracks working at night. Il y avait également and des camions qui étaient utilisés la nuit pour transporter de la terre jusqu'à 22h30. D'où venait l'eau que les travailleurs pouvaient utiliser sur le site de l'aéroport? Est-ce que vous le savez? Et est-ce que l'eau était une eau potable? According to you, was the water good for drinking? No, the water was not a clean drinking water. Non, the water was transported in a big tank. Elle était transportée dans de grandes citernes. And the water from the tank itself was also used to loosen the roots of trees and other ramollir les racines grass des arbres on the ground so that workers could clean or clear le sol the land. Être mieux défriché. Est-ce qu'il y avait des toilettes où les travailleurs pouvaient se rendre pour faire leurs besoins? Any toilets in which the workers could ease themselves? No. There was neither non. toilet nor proper bathroom. Il n'y avait pas de toilette ni de and people had to relieve themselves in the nearby forest. Les gens devaient aller se soulager dans la forêt toute proche. Est-ce qu'il y avait des moustiques et est-ce qu'il y avait des gens qui étaient atteints de la malaria? Were there any mosquitoes and did some people fall sick of malaria? Yes, there were cases of malaria as people did not have a mosquito net to sleep in. Parce qu'il n'y avait pas de moustiquaire sur lesquels on pouvait dormir.
Est-ce que vous pouvez nous décrire quels étaient les symptômes les plus fréquents que l'on pouvait remarquer parmi les gens qui étaient malades? The most frequent symptoms that could be observed among the sick. The common symptoms were fever. Les symptômes habituels, c'était la fièvre. And it also happened in my unit members. Usually they had high temperature and fever. En général, les ouvriers souffraient d'une fièvre très élevée. There were no medical staff on site. Il n'y avait pas de personnel soignant sur le chantier. And people who were seriously ill were sent to a hospital. But on the work site, there was no medical staff, and rarely any medicine was given to the sick people. Pour les malades. Est-ce que certains travailleurs avaient les membres enflés? Did some of the workers Est-ce que certains travailleurs souffraient de diarrhée? Limbs, and did some of them suffer from diarrhea? Yes, there were cases of swollen limbs. Il y avait effectivement of high temperature and fever. The latter was the common symptom. And it happened in almost every unit. Et on pouvait les observer au sein de presque de chaque unité. Avez-vous vu ou avez-vous entendu parler de cas de travailleurs qui seraient morts d'épuisement sur le chantier? Workers who died of exhaustion on the work site. No, I did not witness that. Non. However, I witnessed workers who were hit by rock fragments from the explosion and they died on the spot. Suite à l'utilisation but I could only tell you from what I saw from the location that I worked, as we were not allowed to wander around. Nous n'avions pas le droit de nous promener sur le site, donc je n'ai pu voir que ce que je pouvais voir depuis l'endroit où je travaillais. En dehors des travailleurs qui recevaient des éclats de pierre à la suite d'explosions, est-ce que vous avez vu ou est-ce que vous avez entendu parler d'autres types d'accidents? Did you see or hear of other types of accidents? No, I did not. No. And I did not hear about any other kinds of accidents on site. Je n'ai pas entendu parler d'autres types d'accidents sur le chantier. Tout à l'heure, quand il était question des formations de discipline, a while ago, vous avez parlé des sanctions susceptibles d'être imposées aux gens qui se rendaient coupables d'inconduite morale. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que signifient ces mots, inconduite morale? Were guilty of moral misconduct. Can you clarify what you mean by moral misconduct? Moral misconduct meant le terme inconduite morale people having renvoyait au fait sexual que intercourse des gens illegally avaient des or relations out of the marital status illégal en dehors du statut marital, par exemple en dehors du mariage. Si quelqu'un était surpris en train de manger quelque chose qu'il avait pris, qu'il avait volé, est-ce que c'était considéré comme un cas d'inconduite morale également, comme un délit? Or stolen, was that considered as a crime, an act of moral misconduct?
Yes, that was with the bad word, an offense. Oui, c'était aussi un délit. If someone was caught stealing, he would be accused of violating the disciplines. Il était accusé d'avoir violé la discipline. Vous avez également parlé des gens qui étaient accusés d'appartenir à la CIA et au KGB. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez compris de ce qu'était la CIA ou le KGB? What you understood the CIA or the KGB to mean? To my understanding, KGB or CIA agents are those infiltrated spies. That's what we were told. It means that they worked for this or that organization. Although in fact, none worked for any other agencies. Ces personnes But ne travaillaient pas pour l'agence. Ils étaient anyway. Elles étaient simplement accusées de le faire. And sometimes they were also accused of being Parfois, agents for the Vietnamese, and they had been arrested and smashed. And at that time, it would be even considered an offense when we simply talked to one another. Parler avec les gens pouvait lui aussi être considéré comme un délit. For that. On risquait d'être critiqué pour ce genre d'acte. Quand on parlait de la CIA, est-ce que vous savez au profit de qui on était censé espionner? When they talked of spying, qu'est-ce que c'est que la CIA? For the CIA, for whom exactly were those people considered to be spying for? What is the CIA? Those who were accused of being CIA agents means they were accused of working for the United States of America. Étaient accusés de travailler pour les États-Unis. Et ceux du KGB? How about the agents of the KGB? For the KGB agents, they were accused of working for the Vietnamese. That's what we were told. Pour les Vietnamiens. Voilà ce que l'on nous avait dit. Et est-ce qu'on accusait les gens d'être à la fois des agents de la CIA et du KGB, ou est-ce qu'on les accusait d'être agents de la CIA ou du KGB? Or they were accused of being agents of either the CIA or the KGB. Mà cái chốt đang cái chạm rồi. After people were accused, they would Une fois be que des gens arrested. Étaient accusés, ils étaient arrêtés. And the people who were arrested were not aware of any offense that they had committed. They knew nothing at all about what a KGB or a CIA agent was. Un agent de la CIA ou du KGB. Once a person was accused, the person would not be spared. Une fois qu'une personne accusée, ne pouvait être épargnée. Est-ce que vous saviez, à l'époque où on arrêtait les gens, que les accusations qu'on formait contre eux étaient sans fondement? That the charges made against them were unfounded. Yes, indeed. But how could we tell them so? Effectivement, mais comment aurait-on pu le leur dire? We was only a small face and we could not Nous n'étions que du menu frottin. Do anything, and the accusation came from the upper Les level. Accusations émanaient and we simply heard supérieur. About the accusation of
someone being a KGB or CIA agent or spy, and most of the accusations focused on being a CIA or KGB agent. Portait surtout sur le fait d'être un agent de la CIA ou du KGB. Est-ce qu'on vous a demandé, monsieur, de rédiger votre biographie? Mr. Witness, est-ce qu'on vous demandait fréquemment de le faire? Were people frequently asked to write their biographies? It was the group chief who made our biography. And in other cases, the chief did not ask us about our personal background. They would actually inquire about our background at our native village. Or they asked our former neighbors about our previous role or position. And as in my case, they made inquiry somewhere and later on they knew that I had a tendency with the former regime and they removed or they withdrew their confidence. D'avoir confiance en moi à partir de ce moment-là. Le mot confiance est un mot que vous avez souvent employé, monsieur. Est-ce que, à cette époque, vous aviez parmi vos collègues de travail des gens en qui vous pouviez avoir totalement confiance? Were there any of your colleagues or other people who could enjoy your full and unalloyed confidence? No, there was no such case. No one was fully trusted by the leadership. Les dirigeants ne faisaient confiance absolue à personne. Because more or less people would speak to one another about this or that. Les gens and that was the case that we would risk of being accused of c'est having a tendency. D'avoir un penchant, une tendance. Je ne parle pas des dirigeants, je parle de vous, monsieur. I am not vous, talking est-ce about que leaders, vous pouviez sir. Vous confier you, à des collègues? Could you trust bien est-ce que vous aviez toujours peur que cela puisse avoir des conséquences? Or you were always afraid that such trust could have certain consequences? That is the case. We didn't dare to speak truly to anyone, despite how close we were to that person. Y compris lorsque nous étions proches de quelqu'un. As we were afraid that later on we would face nous negative consequences from what de we had spoken earlier to that person. D'avoir parlé à quelqu'un. And that would expose ourselves to being arrested. Nous aurions ainsi risqué d'être arrêtés. Est-ce qu'au sein des différentes unités, il y avait des gens qui étaient chargés d'espionner les travailleurs? Who were tasked with spying on the workers? I think there were, although I did not know which workers were assigned to do the monitoring of the activities of other workers. We were in the dark. We did not know who was who. And maybe such an organization was done through the group chief. Peut-être que les choses ont été organisées ainsi par les chefs d'unité. Est-ce que vous savez si le fait de dénoncer certains travailleurs pouvait procurer des avantages à ceux qui dénonçaient?
some workers could secure for the people denouncing some advantages. Just to tell you the truth, we did not dare à dire vrai, say anything in this regard. Nous n'osions pas nous exprimer à ce sujet. We didn't dare to say about the good or the bad thing nous at pas all, and it is up to them to assess our work performance. C'est à eux d'évaluer nos performances, ce que nous obtenions dans notre travail. Est-ce que lorsque vous étiez sur le site de l'aéroport de Kampong Chhnang, vous avez entendu parler de S21 ou d'autres centres de sécurité? Or other security centers. I only heard of S21. J'ai simplement entendu parler but de S21. I did not hear of any other security offices. Je n'ai pas entendu parler d'autres centres de sécurité. And only during the current regime that I know that S21 was ce a prison. Dans le régime actuel que j'ai appris, ou sous le régime actuel que j'ai appris que S21 était une prison. Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter les locaux de S21 depuis? Did you have a chance to visit the premises of S21? Have you had a chance to visit those premises since then? No, I haven't made any visit to that premise. Je ne m'y suis jamais rendu. Je vous remercie beaucoup, monsieur le témoin. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Thank you very much, Mr. Witness. I have no further questions for you. It is now time for us to take a lunch break. We take a break and resume at 1:30 this afternoon. And court officer, please assist the witness during the break time and invite him back into the courtroom at 1:30 this afternoon. Security personnel, you are instructed to take Kyosampon to the waiting room downstairs and have him return to attend the proceedings this afternoon before 1:30. The court is now in recess. L'audience est suspendue.